Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Maxime Moulin et on se retrouve pour... Resident Evil 2. Ouais, Resident Evil. C'est bien l'anglais. Donc on s'était arrêté la dernière fois avec Claire Ounette. Voilà. Et maintenant on va aller à Europa Park. Ouais. L'Europa Park. Mais dis l'Europa Park, c'est de l'Euro qui parle. Donc là, me demandez pas pourquoi Claire est court au ralenti, qu'elle se téléporte, je veux pas savoir. Ouais, y a un problème. Faudrait que je réfléchisse, faudrait que je change quelque chose. C'est parce que j'ai un peu trifouillé Fraps pour voir si on pouvait augmenter la qualité, faudra que je remette comme c'était. Oui, on peut pas augmenter la qualité. Voilà, je sais pas, il y a eu des mecs, des gens sur le net qui ont proposé des trucs, mais... On comprend que dalle à Skillmark. Voilà. Skillmark, c'est... Pour augmenter, pour mettre en HD, il faut que tu gargues ma troute, troute, et voilà. Hey, l'araignée, elle m'a fait un fuck. Il y a des mouches qui vont commencer à me taper sur les nerfs. Alors attends, t'as de la chance, c'est les mouches. Parce que moi, je me bouche. Il a pas de chance, il a... Et puis là, d'un coup, il m'est sauté dessus. Et là, je te tiens, je te lâche plus, moi, le rhume. Viens ici. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, on bascule entre les 10 FPS vers là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal trifouillé, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ton rhume! C'est ton rhume qui fait ça, cherche pas! Oh! Nénette! Who are you? Qui êtes-vous? Je vous retourne la question. Another spy sent by Umbrella, right? Let me guess. You're here to steal my husband's G-virus, aren't you? You are tenacious, I'll give you that. Husband? Then you must be Annette. Sherry's mother? What? Sherry's wandering around alone in the sewers. You have to help me find her. That's impossible. I told her to go to the station. What's she doing here? William will be after her. William? That's right. The creature that's been causing all this destruction. C'est pas l'Empire contre-attaque, c'est les mouches contre-attaque. Vas-y, dégage de la caméra, la mouche. Merci. Tu veux mes mouches, Maxime? So those rats were the carriers of the virus? Tu veux mes mouches? Non, non, c'est bon. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. I tried to save him, but I'm afraid it's already too late. But... Je présume que tu vas pas au lycée vu que t'es malade. Every G-virus bioweapon, including William, oh, j'ai tenté. Has the ability to implant embryos into other life forms. Non mais en cours d'anglais, on m'aurait remplacé par un légume, ça aurait été pareil, hein. What are you trying to faire dans le clip de Stromae? The bodies of individuals. Papa Outé, il bouge plus que moi. Faut l'avoir vu pour l'avoir compris le clip, hein. That possibility is non-existent. Pour comprendre ma blague. It's an inherent survival instinct. T'as compris, Mouloud? Oh, une fille, c'est Sherry. You go that way.
Allez, on se sépare, la meilleure idée à faire dans un truc d'horreur. Les deux prochaines vidéos, que celle-là, tourneront au ralenti. Au moins celle-là, je vais peut-être essayer de changer ensuite, mais c'est de votre mieux pour voir ça. Vas-y, oui, 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 avec ton beau taxi. Hé, Nanette, je viens te chercher. Nanette, attends, je bug un peu, je spasse. Oh là là, je me téléporte. Oh, purée. Il va cracher ses poumons tout à l'heure. Oh, je l'ai déjà fait avant. Je crois qu'il y en a encore un doigt qui tourne derrière la Xbox. Sinon, t'as vu mes deux nouvelles demandes de RP? Oui, avec 47, oui. Hein, quoi? Oui, tes deux nouveaux demandes de RP avec 47. Ah oui, je crois qu'elle avait dit 45. Non, ça c'est un autre. Non, mais. Et tu continues. Mais toi, Maxime s'appelle pas Fabrice. Hein? Hein? Parce que, autant. Qu'est-ce qu'il y a? Je te l'avoue, celui en Ukraine, j'ai du mal à t'y voir dans celui-là, donc je pense que tu laisseras ta place à quelqu'un d'autre. Mais. Celui en Norvège. Pourquoi? C'est possible que tu puisses le faire. Il suffit que tu sois. Pourquoi? Tu crois pas que je suis pas capable de le faire, l'Ukraine? Hein? Quoi? Tu crois que je suis pas capable de le faire, l'RP avec en Ukraine? Non, c'est sûr que t'as aucune raison d'y aller. Je vois pas pourquoi le SAJS t'y enverrait ici. Bah non, là non, là le SAGN. Hein, quoi? Non, là je n'irai pas en Ukraine. Peut-être pour les zombies, oui, j'irai en Ukraine. Ouais, mais sauf qu'il y en a pas. En Norvège, par contre, tu pourras y aller. Hein. Là, il suffit. Dans l'histoire, je te vois bien. Tu vas en vacances avec Léon en Norvège pour te la couler douce, sauf que là, tu tombes donc sur 47. Tu vas au mauvais théâtre, au mauvais moment, il y a 47 qui y va. Y'a Sakura qui est connectée. Eh oui, j'ai de ses amis sur Skype. Bon, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Là, je voulais prendre la manivelle. Il s'est bouffé. Y'a une question. Bon, j'en ai marre des mouches contre-attaque. Vous pouvez pas me laisser tranquille, les mouches. Ah oui, c'est le volant de Valve, c'est pas la manivelle, qu'est-ce que j'en... Wow, purée. C'est sans rhume qui me détruit. Pourquoi je me téléporte? Attends. Et j'ai une mouche qui est en train de squatter ma caméra, là. Ouais, mais c'est bon, on a compris que Sakura est connectée. Punaise, le mec, il va me l'afficher pendant combien de temps, Skype? Pourquoi t'as souri? Oh, on a compris quelqu'un avec eux. Attends, je vais essayer de... Tiens, tu peux pas me la faire connecter, Saku, machin, là? Hein? Sakura, connecte-la moi, j'ai du mal à t'entendre, j'ai des oreilles de boucher, là. Qu'est-ce que ça te se mouche? Dégagez les mouches! L'épisode des mouches. Putain, dans BioShock, j'ai revu des trucs que je m'en souvenais même pas que j'avais fait. Ah, le sketch où... Où je... Voilà. Ah, le sketch où je me rappelle de Dylan et de Julien Marchand, ça c'était mythique. Bah, le sketch de Dylan, celui-là je m'en rappelais, mais. Lui aussi il était mythique, le combat complètement fail, c'est pour ça que je l'ai laissé en dans la compilation. Et alors, je
Jamais dans un... Il y a du fail de partout, des anachronismes, des faux raccords, il y a de tout, hein. Ah bah dis donc, il y a de tout mais... alors dans celui-là. Non mais des faux raccords, en hein, gros. Là, il y a du truc, le champ du t-shirt sans aucune raison. On est en plein combat et puis d'un coup, j'en ai un autre. Parce que ça a été filmé un autre jour, mais j'avais oublié de remettre le même. C'est totalement con. Ça c'est sûr. Bon, on a qu'à dire ce qu'il y avait exprès. T-shirt porte-bonheur. Ouais, mon t-shirt pire, je crois. Donné par Julien Vachon, justement, en tant que parler de vous. Comme le disait Jean-Pierre. Oh, on aime bien les mouches quand elles se mouchent. Me parle pas des mouches, j'en ai assez là dans la pièce où je suis. Et je commence même à disjoncter. À l'autre fois, on était au cinéma. J'avais parlé avec un. Qu'est-ce qu'on a papoté pendant tout le long. C'est le mec en classe. J'avais jamais encore parlé avec lui, mais qu'est-ce qu'il est intéressant. Le boubou, il est mignon quand il dort sur mes choses à baver dessus. Ça broche, ça. Baver sur mes choses. La bobine de gaz haute pression. En cas d'urgence, la lumière rouge s'allumera et la bobine de gaz sera accessible. Donc cette fois-ci, est-ce qu'on pète entièrement sa gueule au croco ou est-ce qu'on le suivant un peu? On lui pète la figure. Ouais, parce que l'autre fois, je l'avais pété entièrement avec la bonbonne, youch. Oui, parce qu'on peut faire en sorte qu'il revienne. Ouais. Croco, c'est injuste. Téléportation. Cette fois-ci, on va pas le péter avec la bombe. Ça, je vais vous montrer ce qui se passe si on le laisse vivant. Donc, pète pas avec la bombe tout de suite. Voilà. Si on le pète pas avec la bombe, on pète le mur et il se barre. Et vous devinez, oui, il reviendra dans le scénario B. Par contre, si on le pète avec la bombe tout de suite. Pas. Ça c'est vraiment logique hein. Mais vu que la première fois je l'ai pété direct avec la bobane, là je vous fais un autre truc pour varier. Parce que si je varie pas, on aura la variole. Youpi. Ouais, on va. La. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Madame et Monsieur Variole qui vont au parc d'attractions. Et qui, en allant chercher un lapin à l'infirmerie, oublie leur cendrier sur le crocodile. Ah, chérie! Et pourquoi William et chérie se sont pas fait bouffer par le croco? Wake up, chérie. Pourquoi il était pas là avant? Pourquoi il l'a violé? Faut m'expliquer. Hein? Ouais, moi je peux pas t'expliquer, hein. Par contre, quand même, là, ça dénonce sévère, hein, le père qui viole sa fille. Don't worry, you'll be fine. Come on, let's go. J'ai ou pas j'ai, c'est quand même violent, hein. Je sais pas ce qu'ils ont pris comme gomme, mais... Ouais,
va mourir. Pour l'art de nous rassurer. Je serais ravi de t'avoir dans mon royaume. Putain, c'est dur, hein. Attends, c'est dur de contrôler un personnage qui se téléporte, là. Putain, Houdini, ça doit pas être facile tous les jours pour lui, hein. Et bonjour, monsieur, comment ça va? Donc, comme d'hab, on lui touche la bite et on prend sa médaille. Ce pauvre type devait travailler ici. Non, non, c'était juste un touriste, il visitait les égouts et puis voilà. C'est connu, les touristes qui visitent les égouts. Ah bah, moi j'ai jamais vu, hein, mais bon. Alors, c'est moi qui en avais pas le jour où Albator et Maxime avaient affronté la similaire. C'est sûr. D'ailleurs, il a entre autres expliqué pourquoi Maxime ne le... Tous ceux qui ne connaissent pas Raccoon City 2025, allez regarder un porno sur Canal en attendant. Donc voilà. Donc il a expliqué un peu sous-entendu pourquoi Maxime n'a pas reconnu la bestiole dans le RP avec Albator. Tu sais pourquoi? Non? Parce que dans la fuite, à chaque fois que la bestiole apparaît... Attends, lâche-le, hein. Hein? Quoi? Quoi? Là, je suis énervé, là, avec des mouches, là. Attends, je vais chercher ma tapette à mouches. Je raconte une histoire et elle s'en branle. T'inquiète pas! Je suis connecté, mais en même temps que je t'écoute, je suis connecté aussi sur Est-ce les mouches. Est-ce que je peux te la raconter quand même? Ma gueule, ces mouches, punaise de merde! Donc voilà, Sarah, je voulais te dire. Donc pourquoi il le reconnaît pas? Parce que dans la fille, la bestiole n'apparaissait que déguisée en humain, en humain qu'elle avait assimilé. Elle n'apparaissait que sous cette forme. Alors ah oui, bah oui, j'ai compris ça. Dans le RP, elle n'apparaissait que sous sa forme d'origine. Voilà pourquoi. Même si on devine qu'au bout d'un moment, il a dû la reconnaître quand même, c'était la même. Bah oui. Il est pas con quand même. Il est mort, mais pas con. Bah. Là, on va faire des choses avec lui. C'est comme des états d'âme. Les états d'Amérique. Les états d'âme sont comme toi, Eric. Ce tour de vieille cool, bigole et wallou. T'es en train de faire rire mon ami qui est à côté de toi. Quoi? Débouche-toi les oreilles. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qui est à côté de moi. Eh bah salut l'ami. Tu es en train de se vider ta gueule, moi. Ah, j'ai tué le zombie dans le dos comme un salaud. Eh chérie, t'es pas sûr. Bah chérie, n'est qu'une gamine encore avant ce moment. Ouais, 6 ans, je vais péter la gueule à tout le monde, hein. Il y a un homme qui m'a regardé de travers et il se fait la terre, on est ensemble. À 6 ans? Ah ouais, hein, quand je suis, par exemple, quand on m'a attaqué, direct, j'ai chopé le médecin par le col et je l'ai balancé par la tête. Non, mais je t'explique, Fabrice. Il est né déjà, adulte, tu truc. Il n'est pas passé par le stade de bébé. Quoi? Il n'est pas passé par le stade de bébé? C'est toi qui n'es pas passé par le stade de bébé. N'importe. Je connais une mamie, elle est née mamie.
Et c'est... Colenel avait 80 ans, voilà. Merde, je suis en train de perdre mon maquillage. D'ailleurs, elle a perdu sa hanche quand elle est née. Hein. Elle est née avec un dentier direct, avec le déambulateur, elle est sortie comme ça. Je connais même une vieille, elle est morte en sortant du ventre tellement elle était vieille. Attends, Maxime, je reviens, je vais donner à boire à ma mère. Je reviens. Ah, enfin, il y a des trucs ici. Des grenades. Je me dis, c'est quoi qu'il va y avoir des... Alors, chérie, ça va? Wow! 5 FPS! Système de contrôle de téléphérique, l'allumer! Ouais, ben, bien sûr, allez, on arrive! N'oublie pas ton téléphone! Putain, mais chérie, je vais te. Chérie, c'est l'heure de mourir! C'est bon, elle pleure vite dans son coin. Bon allez, on va lancer une fusée avec un lance-fusée. Ah merde, il faut le briquer. Oh là là. Ah bah non, c'est vrai, de toute façon on peut quand même récupérer le truc. Ah, d'ailleurs, j'avais pas pensé. Est-ce que j'avais utilisé cette clé dans le scénario B? Je me pose la question. Oh, ça. Hey, chérie, suis-moi. Donc là, on arrive au passage où généralement elle va chier dans son coin. Donc là, va falloir faire gaffe. Je suis malade, chérie, c'est pas le moment de m'énerver. Bordel! Oh, zombie téléporteur! Arrive, Maxou! Ouais, ouais, c'est bien, reste là-bas! Allez, on recharge! Oh là là! Vas-y! Ne casse pas, hein! Ne meurs pas surtout! J'ai dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein! Le pape François, il te le dirait! Le pape François, le mec qui va révolutionner la religion. Ah, ne critique pas, je l'adore. Ah là là. Il faut bien que la religion s'améliore là, parce que... En ce moment... Bah, je vais te dire une chose, tu as une chrétienne au bout du fil. Non, je vais faire une blague à la balle, mais non. Vas-y, dis ta blague. Non, mais bon. Vas-y! Accouche-la ta blague! Ah, je pensais que t'avais une chrétienne au bout de fil. C'est qui, Phil? Non, c'est moi la chrétienne! Voilà pourquoi je voulais pas le dire! Elle m'a forcé! Vous êtes d'accord? Je voulais pas! Mais j'ai rien dit, je vais pas vous péter, hein, ça va, hein! Si, si, elle a sorti son gun, je l'ai vu! Elle a sorti son gros fusil à pompe de sa culotte! Tu sais, t'as un athée au bout du fil. Ah, tu crois pas en Dieu? Non. Je suis tellement ouvert d'esprit que je peux pas croire en un Dieu. Désolé. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, je peux me foutre la gueule, mais de toutes les religions, c'est marrant.
il y a tellement de choses. Les zombies, d'ailleurs il y en a là. Bonjour, en vous croyant quoi, le dieu de... Ça c'est une religion qui va être là à la mode dans pas longtemps. Hein. Moi je te le dis, les zombies viennent à la mode pour la religion. Désolé, je mange. Ah, désolé, je vais péter. Ouais, on va aller chercher l'autre arme. Mais Claire, tu pourrais laisser chérie tout seul. Tu reviens dans une minute, on va se faire buter, t'as tué tous les ennemis du coin. Elle adore trop chérie. Tu la détestes. Ah oui. Si je pouvais la manger, je la mangerais. Et moi non plus, je l'aime pas du tout. Voilà. Je pense que je vais devenir alcoolique avant la fin du jeu. Non mais parce que chérie, elle m'en rend dépressif. Tu vois pas ma petite... ma fille, vu que t'es mort. Ouais. Oui, donc les gens, je suis mort. Ça, c'est pour les gens qui... les gens du fond, hein, c'est... D'ailleurs, les gars, revenez, hein, c'est bon, là. Ce que j'ai dit d'aller mater un porno, revenez. Ah, c'est bon, ils ont loupé la moitié de la vidéo, j'aurais pas dû. Reviens à la vie, Maxime, dans le forum. Je l'ai prévu, mais pas tout de suite. Après 47 et après un autre personnage, celui qu'on a vu lors de l'enterrement. Je suis prévu comment... qu'ils reviennent à la vie. Et comment tu vas faire pour revenir à la vie que tu t'es mort? Tu connais les expériences illégales sur le clonage d'Ambrella ou faire les gens d'entre les morts. D'accord, ok, j'ai compris. Moi, il faut pas bouffer. Si je deviens vieux zombie à deux balles, là, ça m'énerve. Non, mais je veux bien pousser mes mines dans les orteils, mais pas trop profond quand même. D'ailleurs, faut trop ça aller la récupérer. Bah, regarde, ils ont bien cloné mon personnage, Umbrella. Ma mamie, elle est toujours dans les orties. Et mon autre mamie, elle est toujours dans les escaliers. C'est dommage! Oh, ça aurait pu être Albator que j'aurais pu cloner! Peut-être plus tard. Enfin, bah non, il va y avoir que des clones, c'est pire que dans Star Wars! Hein. Oui, je prends les rubans en crin et on sauvegarde! Parce que je suis un sauvegardeur. J'espère que cette...